Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo BlenderLaunch.fr, je suis Cyril Lepilirac à Pityouazou et dans cette vidéo nous allons encore voir un petit tips de Rotopo. Vous allez voir, c'est plutôt sympathique, ça fonctionne avec les courbes et c'est fait en fait pour pouvoir en fait faire des formes comme ceci ou récupérer quelque chose de clean, genre là le contour de mon cylindre ou de ma sphère, etc. Donc au niveau wire, vous voyez, on récupère vraiment quelque chose de là sur le contour, c'est extrêmement homogène. Oui, c'est nickel. Pareil ici, c'est plutôt bien foutu. Et ça a été fait vraiment en 2 minutes, quoi. Donc voilà. Bon, imaginons nous voulions faire une rotopo avec ça. En fait, ça c'est un simple mesh, comme on peut le voir, combiné, etc. Donc c'est, on va dire, un modèle de dev, par exemple, si vous en aviez un. Donc ce qu'on peut faire, c'est ajouter un knob circle. Venir le placer correctement par rapport à notre objet, en fait. Voilà, un petit scale. Je fais ça rapidos. Hop là, lui, je vais lui dire pas être sélectionné. Voilà, c'est vraiment. Je fais ça vraiment approximativement. Bon, ça va être assez difficile. Ce qu'on peut faire, c'est se mettre en mode face et activer les puis venir placer nos points tout simplement. Voilà, donc là vous voyez, elle est bien placée directement. On va faire un shift D, on va venir placer là, on va faire une forme spécifique ici par exemple, un vue de face, pas un vue de côté. Hop là, je vais annuler, CTRL Z. Hop. Et on va faire une forme. Clac, W, subdivide. Un truc comme ça. Vous voyez? On va réactiver, comme ça on va plaquer ça sur notre courbe, enfin sur notre surface. On peut se mettre en X-ray, histoire de toujours l'avoir sur nous. Donc voilà ce qu'on a. Donc l'avantage, c'est que ça va toujours être placé. Peut-être que je l'ai fait un peu gros au final, on va faire un truc un peu plus petit. Voilà. Donc là on a ça. Bon, je vais pas faire l'autre, ça sert à rien, c'était vraiment pour vous montrer. On va ajouter en fait une subdivision, enfin on va faire une extrude. Donc là malheureusement il ne la fait pas forcément dans le sens où je voudrais, donc on va essayer un truc, CTRL A, location, rotation and scale, on va faire une extrude là tout de suite, c'est déjà mieux. Ok, donc on a les subdivisions ici, donc plus on va en mettre mieux ce sera. Donc on n'a pas forcément toujours envie d'en avoir comment dire, beaucoup. Donc on peut voilà, on peut mettre ça par exemple, ça va être suffisant. Là je vais faire Alt C, mesh from curve, voilà. Et là je vais me mettre en objet mode face à, vous voyez le mesh, on va faire un flip normal et voilà, on a directement ça. Et normalement si on fait un shrink warp, donc shrink warp, celui-ci c'est sphère 0,0, sphère 0,0, et paf, c'est appliqué. Voilà, là on a tout de suite fait quelque chose de nickel. On peut faire la même chose ici, donc là vous voyez on a bien placé notre courbe. On va retourner ici, on va faire un extrude, donc là encore une fois l'extrude est dans le mauvais sens. On va faire CTRL A, location, rotation and scale, on va faire extrude. On va faire un truc comme ça. On peut tout de suite en fait appliquer le shrink warp. Donc c'était la sphère 0,0. Pouf. Mais là, comme on peut le voir, ça chie un petit peu. Donc on n'hésite pas à déplacer nos points si nécessaire. Mais c'est pas GG. Donc on va supprimer le shrink warp. Donc là, on a quelque chose de pas trop mal. Vous voyez, comme ça. On va faire Alt C, mesh from curve. On va peut-être faire un CTRL
R ici, on clique droit, c'est plus rapide. Là, on va peut-être déplacer juste un ch'ti poil, oupla, Z, juste un ch'ti poil, ça, comme ça. Puis là, comme ça, si je fais un shrinkware, ça va fonctionner. Mais avant toute chose, il faut que je supprime ça. Contrôle plus X face, voilà. Donc, je peux peut-être même mettre les normales inversées, flip normal, voilà. Et là, je mets mon shrinkwarp. Sphère 0,0, voilà. Donc tout de suite j'ai quelque chose de plutôt sympa. Après c'est vrai que je l'avais un petit peu décalé. Donc je peux peut-être le remettre là. C'est vraiment léger. Voilà. Puis bah après ça ce qu'on fait c'est qu'on combine, hein, CTRL J. Et ce qu'on peut faire aussi c'est claque F comme ça. CTRL R plus plus. Voilà. Échappe, shrinkwarp. Donc j'attends la donne de d'Ice King là qui va être vraiment génial et ça va être plutôt fun quoi. Donc par exemple ici si je voulais faire en fait à l'origine comment dire un truc comme ça par exemple la fin là je peux faire F1 je mets mon mot de face je fais I voilà donc là les normales ont un peu sauté ah oui c'est normal j'annule. J'ai fait une bêtise. Il faut que j'applique mon shrinkwarp d'abord. Appli. Modifier disable skipping apply. Ah oui. C'était par rapport à ça. Voilà. Donc maintenant, je retourne comme ceci. Je fais E, clac, F, I. Histoire d'avoir quelque chose de correct. Vous voyez, comme ça, je fais un trou directement. Et là, après, je peux m'amuser en fait avec le. Comment dire? Le B surface, donc on va créer nouveau surface, on va se mettre en mode vertex comme ceci, on va rester appuyé sur D, sinon on peut faire CTRL D, histoire de faire comme ceci, clac, clac, puis là je vais sélectionner en fait ça sauf cela, et je vais faire B surface, add surface, et là ça me plante, ça plante, section is invalid. Donc on va supprimer Squeeze Pencil. On peut faire ça directement. CTRL D. Voilà. Et là, Add Surface. Si on veut merger directement avec ça, on va aller dans les options. On va augmenter le threshold à 0,3. Comme ça, si je fais, vous voyez, si je viens le foutre ici, peut-être un, faut que j'active l'auto-merge qui est ici. Yep, là. Ah, il veut vraiment pas. Hein. 1,1. Voilà. Le 1,1, il le veut bien. Vous voyez, comme ça, c'est directement mergé. Donc, pareil, on peut faire ça, ça, D. Comme ceci. Pouf. Add surface. Voilà. Puis après, on peut venir mettre le truc comme ça, quoi. Donc en fait, ce qui serait bien, ce serait un outil de remaillage, comment dire, automatique qui vienne combiner tout le reste, quoi. Mais là, comme on l'a vu avec les courbes, c'est plutôt rapide. Sinon, on peut directement faire ça. F1. Comme ça. Ou alors, clac. Je sais que si, normalement, si on fait juste ça. Et qu'on fait un dé comme ça, pouf, logiquement ça devrait fonctionner. Et là il marche pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment dommage. Mais sinon on peut faire ça, pouf, à surface. Là ça marche. Comme ça, pouf, on vient attacher les points. Vous voyez, pas besoin de l'émerger, c'est vraiment rapide. Et plein. Donc ce serait plutôt l'autre. Clac. C'est plutôt rapide. Puis après, bien entendu, on peut sélectionner par exemple ça, ça, ça. Un petit smooth. Voilà, comme ceci. On se met comme ça. On met un petit modifier, shrinkwarp, sphère 0,0. Oups, là, par contre, ouais, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'était. Pouf, je sélectionne ma surface qui est là. Je fais plus, plus. Je fais H.
je fais ça. Ah non, il le prend pas. Normalement, le shrink warp, je dois pouvoir. Ouais, faire un vertex group. Donc, par exemple, je vais faire ça, c'est. Voilà, comme ça. Je vais ici, j'ai été un vertex group, je fais plus, je fais assign. Voilà, comme ça, si je fais mon shrink warp, je vais sélectionner mon vertex group et je vais sélectionner ma sphère. Comme ça, le shrink warp ne se fait que sur la partie désirée. Voilà. Je fais wire, je fais apply. Voilà. Show all edge. Donc vous voyez, au final, c'est plutôt pratique. Puis on faut pas hésiter en fait à utiliser clac le B surface. Vous voyez, comme ça, c'est moche, mais si on fait juste ça, pouf. Ouais. Donc là, j'en veux que deux. Ah là, il va falloir nettoyer le truc. Tétin, je vais faire C. Voilà. Clac, W, smooth. Voilà. Après, je peux bien entendu utiliser les outils de. Comment dire, du sculpt. Voilà, pour déplacer mes points. Voilà, pouf. Après, je peux bien entendu refaire ceci. CTRL plus, j'ai ici, je fais assign. Je me mets comme ça, clac. En fait, c'est vraiment du. C'est un peu du bidouillage quand même, quand on regarde bien, mais pouf, ça marche plutôt bien quoi. Hop là, donc ça, ça va aller là. C'est vrai que là, j'en avais fait même deux en trop au final. Donc c'était celui-ci et celui-ci. X, limited dissolve. F6, on augmente la valeur. Voilà. Bon, c'est vraiment cracra, mais c'est vraiment pour montrer quoi. Mais le principal en fait que je voulais, c'était vraiment montrer cette partie-ci qui est plutôt rapide à faire avec les courbes comme on peut le voir. Comme ça, ça permet de découper un mesh vraiment vraiment rapidement quoi. Genre après, si je veux fermer ça, je vais faire ES, clac. Ce qu'on peut faire, c'est CTRL ALT SPACE. Vous voyez, comme ça, ça va se mettre en fonction de la sélection. On fait ça, E. Yep là. Donc on peut désactiver l'auto merge. Comme ça, si on fait E, on fait là, on fait ça, on fait scale. Comme ça. E, échappe. On déplace. Un petit scale. Voilà. Là, par exemple, sur le dessus, si je veux pas avoir de petits points qui va gêner, ce que je peux faire, c'est je me mets en mode edge. Je vais sélectionner ça jusqu'à. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, attendez, je revérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais en dessous, ça devrait être logiquement là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on fait CTRL F, on fait grid fill. Voilà. Et à partir de là, on peut s'amuser à ajouter des subdivisions. Comme ça. On va se mettre en mode face. On va faire C. Comme ceci. On va faire CTRL plus. On va faire W, smooth. Voilà. À partir de là, on a un truc comme ça. On peut même s'amuser si on veut à faire CTRL plus. Voilà, W, smooth. Histoire vraiment d'avoir quelque chose de clean. Et après, bah, on va faire. On va sélectionner, resélectionner ça, faire CTRL plus, clac, assign, et voilà. Et voilà, en 2 minutes, on a fait un remaillage de la sphère. Et logiquement, si on applique en fait notre modifier, si on fait par exemple, on ajoute des subdivisions par exemple ici, on va faire un CTRL B. Hop là, un petit plus. Comme ça, vous voyez, histoire d'avoir quelque chose de clean. CTRL 2, on fait
plouf, wire, et voilà. Là, on a une surface nickel. Donc on va smooth shade. Bon, là, c'est pas été, ça n'a pas été corrigé, mais comme on peut le voir ici, c'est impeccable, quoi. Et le wire est plutôt, vous voyez, le wire est plutôt sympa, quoi. Donc il y a vraiment moyen avec les outils de Blender trouver les petites techniques qui vont bien, genre avec le, comment dire, les courbes, histoire de récupérer quelque chose de vraiment clean ici. Projeter, shrink warp, etc. Et là on a vraiment quelque chose de pratique et de sympa. Donc voilà. À ciao.